Je n'arrive pas à supporter les enfants sur mon dos et puis prendre l'autre. Et quand hier on est parti, j'ai eu la guérison. J'ai un fauteuil roulant, c'est dans ça, je suis assis du matin, du lundi au lundi, jusqu'à 7 ans. J'ai vu la première fois que je marche, il m'a fait 7 ans. C'est pour toi, c'est pour qui? Nous, c'est pour moi. Ça fait combien de temps que tu marches avec ça? Il faut 20 ans. Comment? 20 ans. Des milliers de kilomètres parcourus sous sa protection. Des tonnes de matériel envoyées par toute la Côte d'Ivoire. Satan a été vaincu depuis la croix de Jésus, la mort de la poussière. De nombreux aveugles, sourds, muets, infirmes et toutes sortes de malades ont recouvré miraculeusement la santé. Il n'entend pas depuis quand? Depuis sa naissance. Alors, comment tu sais qu'il a réagi? Près de 2 milliards de francs CFA investis pour le salut des âmes. Plusieurs tonnes de médicaments, vêtements et dons divers distribués gratuitement. Il est 13h maintenant, ça fait plus de 5h que nous distribuons les dons. Et dire, le pasteur qui est venu, nous-mêmes, on est étonnés. Des rois, des chefs, des administrateurs, des centaines de milliers de personnes sont passées des ténèbres à la lumière. L'heure a sonné pour que les hommes et les femmes, les enfants, retrouvent en fait l'amour pour les uns et les autres. Ressortir la haine qui se trouve dans notre cœur. Et ce, par la puissance de Christ, au travers du Tour 931. Le Saint-Esprit s'est servi de vos prières et de vos dons et investissements personnels pour réaliser ces grandes œuvres. Ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. Ne laisse pas l'opportunité de la dernière vague, la vague 9, se réaliser sans toi. La fin d'une chose étant plus glorieuse que son commencement. Ton Dieu te donne l'opportunité de t'investir pour l'ultime vague du Tour 931, saison 1. Daoukro, du 26 au 28 octobre 2016. Bongoano, du 2 au 4 novembre 2016. Bimbokro, du 9 au 12 novembre 2016. Peuple de Dieu, le Christ vous appelle à nouveau pour que sa gloire soit manifeste. Tour 931, l'honneur de gagner la Côte d'Ivoire à Christ. Impressionnant, it's massive. J'ai dit juste waouh, quelle obéissance, quelle consécration. Je voudrais dire merci vraiment au peuple de Dieu parce que c'est à vous que nous devons de pouvoir faire toutes ces choses-là.
lorsque vous, vous considérez que le fardeau de Dieu devient vos fardeaux, il est certain que vos fardeaux également seront portés par Dieu et qu'il vous visitera. L'action de compassion consiste à récolter des dons depuis Abidjan et autres villes. Maintenant, quand on arrive sur le terrain, on procède à la distribution des dons, comme vous pouvez le constater. Je dis souvent, ne laissez pas une histoire comme ça se faire sans vous. Vous ne pouvez pas juste entendre parler de ça et puis ne pas réagir. On a besoin de cœurs sensibles, des gens qui aiment les enfants pour offrir les bibles, les biscuits, tous les gadgets qu'on prend pour attirer les enfants. Ce n'est pas simplement le fait de donner des bonbons, mais des cœurs sont touchés. Plusieurs enfants se sont repentis de la sorcellerie. Donc je prie que vous fassiez partie de cette superbe aventure et que vous aussi vous contribuez au tour 931. Les chrétiens, pendant que le diable est en train de faire l'oppression, il y a des chrétiens qui vont fonctionner à un niveau de grâce. Les chrétiens, pendant que le diable est en train de faire l'oppression, il y a des chrétiens qui vont fonctionner à un niveau de grâce. Les chrétiens, pendant que le diable est en train de faire l'oppression, il y a des chrétiens qui vont fonctionner à un niveau de grâce. Les chrétiens, pendant que le diable est en train de faire l'oppression, il y a des chrétiens qui vont fonctionner à un niveau de grâce.
pas me sortir. Amen. Sur le plan financier, les chrétiens, pendant que le diable est en train de faire l'oppression, il y a des chrétiens qui vont fonctionner à un niveau de grâce. Impressionnant, it's massive. Je dis juste waouh, quelle obéissance, quelle consécration. Je voudrais dire merci vraiment au peuple de Dieu parce que c'est à vous que nous devons de pouvoir faire toutes ces choses-là. Lorsque vous considérez que le fardeau de Dieu devient vos fardeaux, il est certain que vos fardeaux également seront portés par Dieu et qu'il vous visitera. L'action de compassion consiste à récolter des dons depuis Abidjan et autres villes. Maintenant, quand on arrive sur le terrain, on procède à la distribution des dons, comme vous pouvez le constater. Bonjour les amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Voilà, content de vous revoir, je suis revenu de Montréal. La semaine dernière, on a eu un Fist Life, un peu compliqué, mais par la grâce de Dieu qui a la fin, s'est bien passé. On a pu suivre, toujours dans la dynamique de notre enseignement sur les temps de la fin, sur le retour de Jésus. Aujourd'hui, je vais encore en parler, je toucherai certains points. Et on prendra aussi le temps de répondre à une série de questions. Je ne répondrai pas à toutes les questions, mais j'ai pu recenser voilà, quelques questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez tout le temps les poser. On va essayer de retenir certaines d'entre elles et répondre selon la grâce que le Seigneur nous accordera. Je voudrais vous inviter, avant d'aller plus loin, dans la prière, demandant la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que depuis le début de cette aventure, Seigneur Dieu, tu es là. Ton nom est manifesté. Ton nom est glorifié, Seigneur. Et ta parole touche des milliers de personnes. Ô Dieu des cieux, puisses-tu vraiment m'inspirer, me donner la grâce de parler selon toi. Et dispose aussi nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole et les avertissements et la préparation
que tu nous accordes, Seigneur Dieu, pour ton retour. À toi la gloire au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons, avant d'aller plus loin, rappeler la mort de la croix, la mort de Jésus, pardon, à la croix, ce sacrifice-là qui nous a sauvés, au travers un chant de mon premier album. Raconte ce que tu as vu au centenier, centenier. Raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant, si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, ainsi nous croirons en toi. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, ainsi le ciel s'assombrit. J'ai cru qu'il était minuit, alors qu'il n'était que midi. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, centenier, oh, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, ainsi le ciel s'assombrit. Moi j'ai cru qu'il était minuit, alors qu'il n'était que midi. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Je l'ai vu expirer, disant, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oh, oh, oh. À cette heure, la terre se mit à trembler. Des morts revinrent à la vie. Et le voile du temple se déchira de haut en bas. J'ai observé toutes ces choses. Et je me suis dit qu'assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Centenier, 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 va dire ce que tu as vu. Centenier, 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 va dire ce que tu as vu. Oh si ma soeur,
aussi mon frère, va dire ce que Christ a fait. Aussi mon frère, aussi ma soeur, témoigne que Christ est le Fils de Dieu. Centenaire, oh, 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 va dire ce que tu as vu, va et annonce au monde entier, oh, 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 que Christ est le Fils de Dieu. Christ est le Fils de Dieu. Que le monde sache, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour nous sauver. Tu es le Fils de Dieu. Mort à la croix pour nos péchés. Mort à la croix pour nous sauver, nous délivrer de l'esclavage du diable. Seigneur Dieu, tu es le Fils de Dieu. Dieu sur terre pour me sauver, me racheter, me délivrer. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à m'appuyer sur toi. Apprends-moi, Seigneur, toujours lever les yeux sur l'œuvre que tu as faite à la croix. Seigneur Jésus, apprends-nous à nous souvenir de l'œuvre de la croix. Apprends-nous à nous souvenir combien de fois tu es mort pour que, combien est grande ta mort, la puissance de la croix par laquelle nous sommes aujourd'hui sauvés. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, ô Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre époux, notre bien-aimé. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous aurons dans la suite à parler vraiment de la, à revenir sur la puissance de la croix, la puissance par laquelle nous sommes délivrés. Toute la victoire et toute la grâce que nous avons se trouve dans la croix et dans la résurrection. C'est le point central de la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est une puissance de Dieu. Si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie, il faut comprendre la force et la grandeur qu'il y a dans la croix. Amen. Mais c'est un des sujets que nous allons aborder dans la suite de nos exhortations, dans la suite de nos directs. Alors, nous revenons à la série que nous avons commencée. Je veux vraiment rappeler à tous ceux qui me suivent que l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de faire ce direct. Non pas pour parler de tous les thèmes que j'ai l'occasion d'aborder à l'Église, mais pour parler spécifiquement par rapport au retour de Jésus, par rapport aux événements relatifs à la fin du monde. Ces événements-là vont nous amener à parler de la dimension de l'Église qu'on appelle l'épouse. Au niveau du culte des dimanches, c'est ce dont je parle en ce moment. Je la considère, je crois dans mon cœur quelle est la vérité présente. Depuis déjà plusieurs années, le Seigneur me donne des prophéties concernant cette période. Je ne suis pas le seul. Beaucoup d'hommes de Dieu, depuis déjà des années, sentent que l'Église doit être préparée. Non pas en tant que fils de Dieu que nous sommes en ce moment, mais selon la prophétie de 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 1, commencer à nous préparer dans la nouvelle étape, la nouvelle dimension que Dieu nous donne, la dimension de l'épouse. Et cette dimension de l'épouse-là, c'est-à-dire l'Église devenue l'épouse de Christ, intervient dans un siècle particulier, dans une saison particulière qu'on appelle, qui sont les signes du retour de Jésus. La Bible dit que dans le livre d'Éphésiens, que le Christ vient chercher une église, une épouse sans tache ni ride. Il vient la chercher. Amen. Et dans le livre d'Apocalypse 19, il est dit que cette église, cette épouse s'est préparée. Elle avait porté des fins lin qui sont les œuvres des saints. Qui sont les œuvres des saints. Donc, ce sont ces œuvres-là que nous sommes en train de préparer. C'est la préparation justement de cette épouse que nous sommes en train de faire. Alors, chers amis, soyez vraiment attentifs, soyez vraiment connectés et comprenez ce dont je suis en train de parler. Si vous avez des questions sur le sujet, posez-les-moi. C'est vrai, tout à l'heure, en répondant aux questions, je vais toucher beaucoup d'aspects. Notez que notre texte de base, donc le texte qui est notre fil conducteur, le texte qui est la colonne vertébrale de cet enseignement, c'est le livre de Matthieu, chapitre 24. Et la dernière fois, j'avais commencé, je crois que la dernière vidéo, j'étais à Montréal. Donc, la vidéo de Montréal, j'avais commencé vraiment à insister sur
la séduction, et c'est dans ce sens-là que nous allons aller sur les séductions des temps de la fin. Amen. Voilà. Le texte de Matthieu 24, nous le a des parallèles en Luc chapitre 21 et en Marc chapitre 13. Donc ce sont aussi des passages que nous allons utiliser de temps à autre, pas aujourd'hui, mais de temps à autre, des passages qu'on peut considérer comme aussi fil conducteur ou colonne vertébrale de cette série que j'aborde. Amen. Alors, toujours pour nous remémorer, donc les disciples demandent à Jésus quand est-ce que le temple de Jérusalem sera détruit et quand est-ce que la fin du monde va se produire, quand est-ce qu'il va revenir. Jésus va leur dire de prêter attention à des signes. Donc, il va donner dans ce chapitre les signes qui vont précéder la destruction du temple de Jérusalem, destruction qui a eu déjà lieu en l'an 70. Et après quoi, il va donner une série d'événements qui vont suivre jusqu'à son retour. Et à l'intérieur du texte, il va citer, il revient souvent sur la séduction. Et il nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise, prenez garde que personne ne vous séduise, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà, il a dit, verset 4, Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car ils viendront, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et je vous disais la dernière fois de ne pas s'exclure ou se croire trop spirituel pour ne pas être victime, manquer d'être victime de cette séduction. Cette séduction est valable pour tous. Elle est valable pour tous. Et c'est sur les éléments de la séduction que j'aimerais particulièrement m'attarder. Il dit donc, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, etc. Alors aussi, verset 10, plusieurs se combattront et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et si nous continuons plus tard, il va encore revenir là-dessus en parlant de plusieurs viendront encore en son nom. Faites attention, prenez garde. Verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Après, je m'attarderai vraiment sur la notion des élus, mais pas dans le sens de nous effrayer, mais je veux revenir sur la mise en garde de Jésus en ce qui concerne la manifestation des faux prophètes et des séductions de la fin. J'avais commencé cette partie en disant, le premier élément de séduction qui ressort de ce passage, c'est la séduction qui va nous amener à perdre la vertu de l'amour. La séduction qui va nous amener à perdre la vertu de l'amour. La séduction est telle que elle va se manifester parce qu'on va voir des hommes de Dieu, des chrétiens, et les chrétiens seront séduits dans le sens qu'ils vont toujours manifester les dons spirituels tels que le parler en langue, les dons de miracles, de guérison, les dons de paroles de connaissance, la révélation profonde des saintes écritures, etc. Donc, selon ce que nous révèle 1 Corinthiens chapitre 13, mais tout en manifestant ces dons et ces faveurs spirituelles, ces personnes-là, en tout cas les victimes, manqueront, vont perdre la vertu essentielle qu'est l'amour. C'est ce qu'il dit, il va servir des faux prophètes, l'iniquité sera tellement accrue que la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc la séduction va dans un premier temps s'attaquer à la notion essentielle à la manifestation du véritable amour décrit en 1 Corinthiens chapitre 13. Donc soyez libérés de cette histoire d'église, de dénomination pour dire voilà, tel prophète dans telle église, tel prophète dans telle assemblée, tel gars, c'est un faux prophète. La séduction sera beaucoup plus sournoise et beaucoup plus subtile. Dans une église même où le pasteur est sérieux, est vrai, la séduction peut s'immiscer, la séduction peut s'introduire. Amen. Quand je commence à perdre l'amour, quand je commence à manquer de patience, de douceur, de maîtrise de moi-même, quand je deviens irritable, n'est-ce pas? Et que malgré cela, les dons spirituels sont toujours actifs dans ma vie, je dois comprendre que je suis simplement en train moi-même d'être séduit. Je suis en train moi-même d'être séduit. Je dois revenir à la parole. Je dois revenir à la première vertu qu'est l'amour. Mais il y a un autre élément de séduction. Sur l'amour, je reviendrai toujours. Maintenant, ce que je vais dire, ce sont les acteurs. Ce dont je vais parler avec vous brièvement aujourd'hui, ce sont les acteurs de la séduction. Comment est-ce que cela se produira? Cela va se produire par le phénomène de ce que j'appelle les poneros, dites avec moi les poneros, et ce que j'appelle aussi la chute de l'armée
des cieux, la chute de l'armée des cieux. Quand nous lisons le texte de Matthieu 24, il est dit que les puissances des cieux seront ébranlées et les étoiles tomberont sur la terre. Les étoiles vont tomber sur la terre. Une étoile, ce qu'on appelle une étoile, ne peut même pas s'approcher de la terre sans que la terre ne soit consumée. L'étoile la plus proche de la terre, c'est le soleil. Si le soleil ne devait qu'avancer ne serait-ce que de 1 cm vers la terre, ou la terre devait avancer de 1 cm vers le soleil, toute la planète Terre serait cramée. Voilà. Donc, le soleil est une petite étoile au milieu de toutes les étoiles que nous voyons dans le système solaire. Les étoiles qui vont tomber sur la Terre ne font pas forcément référence aux astres physiques, mais plutôt à une notion d'astre spirituel. Je vais vous en donner une preuve dans le livre de Apocalypse. Nous partons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, à partir du verset 1. Apocalypse, chapitre 9, verset 1, il est dit: le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles, il se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que causent les scorpions, qu'elles piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, etc. Et vous pouvez continuer la suite de ce passage. Mais notez bien que quand l'étoile est tombée, certaines personnes n'étaient pas atteignables parce qu'elles avaient sur elles le sceau de Dieu. La série de messages que je suis en train de vous donner, je vous partage avec vous les clés, les secrets pour avoir ces sceaux-là. Parce que la séduction dont il est question ne va pas se faire quand l'Église sera enlevée. C'est du temps présent de l'Église maintenant que nous pouvons être victimes de ces choses. Donc, quand la Bible dit en Matthieu 24 ou en Marc 13 que les puissants des cieux seraient ébranlés et que les étoiles tomberont du ciel, on voit dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, verset 1, qu'une étoile est tombée sur la terre, mais l'étoile était personnifiée parce qu'il lui a été donné une clé et l'étoile est partie ouvrir un puits. Donc, les étoiles qui vont tomber sur la terre sont des êtres, ce sont des entités spirituelles qui vont venir et qui vont faire du mal aux hommes. Il est très fort probable, et je le crois aussi, que des astéroïdes, qu'on appelle souvent étoiles filantes, qui traversent l'atmosphère de la Terre, tombent sur la Terre et créent des dégâts, etc. Ça, cela va certainement et sûrement arriver dans les temps de la fin, et nous les verrons ces temps-ci. Mais, profondément, spirituellement, ce dont il est question, c'est la chute d'êtres spirituels. Et cela va entraîner des désagréments. À compte du temps, je lui donnerai des références la prochaine fois. Mais lorsqu'on parle, je trouvais même quelques-unes ici. Lorsqu'on parle des étoiles ou qui tombent sur la terre, la Bible les présente souvent sous le vocable de l'armée des cieux, l'armée du ciel. Amen. L'armée du ciel, faisant référence aux astres et aux choses qui se trouvent dans le ciel. Je donnerai l'occasion de donner des références par rapport à cela. Un texte m'intéresse plus particulièrement et je vais vous amener à le lire avec moi. C'est 1 Roi chapitre 22. Le livre de 1 Roi, chapitre 22. Avant de le lire, permettez que je cite d'autres passages rapidement pour vous montrer. Deutéronome 17, verset 3, il est dit: allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Voilà, donc on parlait de peuple qui se pervertit en se prosternant devant l'armée des cieux. Voilà. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. Nous allons voir que les étoiles qui vont tomber sur la terre, ces êtres célestes-là, vont amener une grande séduction. Et c'est par rapport à cette séduction que j'aimerais vous mettre en garde. Amen. Voilà. Le but n'est pas de vous effrayer, mais si cela crée un peu de peur pour vous attacher réellement à Christ, pour apprendre à aimer et à marcher dans le droit chemin, mon but sera atteint. Ok. Donc, 1 Roi chapitre 22. Je vous exhorte à lire tout le chapitre 22. Et
je vais aller à partir du verset 10. Il est dit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée lui dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. Chers amis, je veux que vous prêtez attention d'abord au verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel. Notez bien, verset 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras un jour et tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Amen. Au verset 19, il est dit, Dieu était assis, l'Éternel Dieu était assis, et autour de lui, il y avait l'armée des cieux. Et Dieu a dit ceci, qui va aller séduire le roi Akab pour qu'il aille en guerre et qu'il meure? Et la Bible dit que les êtres qui constituent l'armée des cieux ont commencé à faire des propositions, l'un d'une façon, l'un d'une autre, au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et l'Éternel Dieu a dit, pendant qu'il parlait, il y a un autre esprit qui s'est présenté, donc certainement de ce groupe-là de l'armée des cieux. Il va se présenter donc à l'Éternel et dit, moi je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et l'Éternel va dire, va et tu vas avoir du succès. Alors, les prophètes qui prophétisaient à Akab avaient reçu vraiment des inspirations. Et une inspiration qui semblerait venue de Dieu, mais leur inspiration était un esprit de séduction, permis et autorisé par l'Éternel lui-même pour que le peuple aille et se perde. Et qu'il perde le roi. Et là, quand il est question donc d'un esprit qui quitte la notion de l'armée des cieux et qui vient sur la terre. La chute des astres, comme on a pu le voir en Apocalypse chapitre 9 verset 1, va se manifester, et je vous le dis, par l'arrivée de choses qu'on croira être de Dieu. La manifestation de choses qu'on croira être de Dieu, mais qui en fait sont un esprit d'égarement. Ce sont des esprits d'égarement pour les hommes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ce que je dis est corroboré dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous y allons directement. Donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1. Il est dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler.
soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Donc déjà, l'apôtre Paul ici fait dire, ne vous laissez pas séduire par des paroles, des prophéties qu'on va dire venir de Dieu. Faites attention. Et verset 3, il dit clairement, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Il y a des lettres qui arrivaient déjà aux disciples disant que l'avènement du Seigneur était déjà là. C'est-à-dire Jésus était déjà manifesté. Le retour de Jésus était là. Et l'apôtre Paul leur dit, ne vous laissez pas séduire. Avant le retour de Jésus, il y a des choses qui doivent se produire. Entre autres, l'apostasie, qui signifie la perte de foi, c'est-à-dire les gens seront à l'église, mais ne marcheront pas dans la foi, vont pas marcher comme Dieu attend d'eux, donc ils seront séduits. Donc l'apostasie va arriver auparavant. Et il dit, on verra paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc certainement l'antéchrist, c'est l'antéchrist dont il est question ici. Donc on va voir l'antéchrist avant le retour de Jésus. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce dont Jésus a parlé. Il a dit dans Matthieu 24, il dit, faites attention, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Et je vous avais expliqué que le temple de Dieu étant le corps, ça veut dire qu'il va arriver au niveau de l'église, où des personnes vont avoir un tel niveau de prodige, de miracle, de puissance manifestée, qu'à un moment donné, elles vont se prétendre être Jésus, etc. Bon, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Bon, cette partie-là est une partie qui théologiquement, en fait, amène des débats théologiques. Tous les théologiens ne sont pas disent que ce qui retient l'Antéchrist, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va partir, ça dit que l'Église aussi va partir avec lui. Donc pour cette doctrine théologique, l'Église sera enlevée avant la manifestation visible de l'Antéchrist. Mais avant cela, on verra des signes. Ce que je crois, c'est que ce qui le retient, même si c'est le Saint-Esprit, je ne sais pas c'est qui, mais il est dit que l'Église... qu'avant l'avènement du Seigneur, qu'avant la manifestation du Seigneur, nous verrons paraître. Donc nous les chrétiens, nous verrons paraître l'impie. Personnellement, je crois que nous allons voir l'antéchrist dans sa manifestation avant l'enlèvement. Maintenant, qu'il arrive après qu'on soit parti ou qu'il arrive avant qu'on soit parti, peu importe. Le plus important, c'est qu'on soit prêt à tout moment. Amen. Je veux dire qu'on soit prêt à tout moment. Si nous sommes partis avant, gloire à Dieu. Si nous sommes partis après, gloire à Dieu. Mais si par contre vous êtes tellement convaincus que nous allons être enlevés avant sa manifestation, si vous êtes tellement convaincus de cela, s'il vient à se manifester, vous allez dire certainement, comme l'enlèvement n'a pas eu lieu, certainement que ce n'est pas l'antéchrist qui est là. Et ça peut être une porte de séduction à nouveau. Donc soyez prêts à tout temps. Avant l'enlèvement, nous voyons l'antéchrist, soyez prêts. Qu'après l'enlèvement, etc., en tout cas, soyons prêts pour le retour de Jésus. Amen. Et c'est ça le but du message. Amen. Soyons prêts, soyons toujours vigilants. Il est dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Alors il est dit ici que la manifestation de l'antéchrist va se faire avec toute la puissance du diable. Il y aura des prodiges, des miracles extraordinaires qui vont séduire un grand nombre de personnes. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Amen. L'amour de la vérité. Et là encore, on va revenir à la notion de l'amour. C'est l'amour de la parole, l'amour de Dieu. Christ est la vérité. Donc, l'amour de Christ, c'est la vertu de l'amour qui sera le sceau qui va empêcher l'antéchrist, comme on a vu, l'armée des cieux de toucher les croix. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les gens reconnaîtront que vous m'appartenez, que vous êtes mes disciples. Nous allons l'occasion
l'occasion d'étudier cela en détail. Et toutes les... Amen. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie. Aussi. Donc, ceux qui ne vont pas garder l'amour, l'amour de Christ, l'amour que Christ attend. La Bible dit, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Voyez-vous le texte de 1 Roi 22. Dieu a envoyé dans la bouche des prophètes qui pensaient prophétiser au nom de Dieu. Dieu a envoyé un esprit d'égarement parce que Akab est l'illustration de croyants qui mélangent toutes sortes de choses dans l'église, dans la maison de Dieu, qui font du charlatan. Dieu a permis à ce qu'un esprit d'égarement, et d'où venait cet esprit d'égarement? De ce qu'on appelle l'armée des cieux. Et Deutéronome dit aussi Dieu, donc Satan va séduire, mais Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement pour qu'il croit au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à notre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, etc., etc. Amen. Alors, aujourd'hui, je voulais donc introduire avec vous cette partie de la séduction du diable appelée la séduction de l'armée des cieux, qui est ce grand vent de mensonge. Et mes amis, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui va arriver. Ce dont je parle est là, est actif en ce moment même. Nous le voyons toujours sur Internet, partout. Je ne veux pas jeter le doigt sur qui que ce soit. Et je vous ai dit la dernière fois, je rappelle, que ce n'est pas parce que Pasteur Sanogo en parle qu'il ne peut pas être lui-même victime de la séduction. Jésus dit à nous tous, faites attention. Si Jésus revient plusieurs fois sur la mise en garde, c'est que ça sera vraiment, vraiment sournois. Ça sera vraiment, vraiment subtil. Ça sera vraiment subtil. Qu'aucun homme de Dieu, quelle que soit son onction, frère, si tu sers le Seigneur, quel que soit ton don, quelle que soit la grâce qui est sur ta vie, ne te crois pas exempt ou immunisé contre cette séduction qui viendra dans les temps de la fin. Il y a des vertus essentielles qu'il faut manifester. Une séduction est très subtile, elle est sournoise. Si elle va entraîner un grand nombre de personnes, nous devons faire particulièrement attention. Que cela crée en vous la crainte. Et je vous donne rendez-vous le mardi prochain où je vais continuer sur ce point de la séduction de l'armée des cieux. Amen. Mais je crois dans le nom de Jésus que ceux qui seront prêts triompheront de cette séduction. Et toi, tu vas triompher de cette séduction. Si tu entends ces choses, tu es heureux pourvu que tu les mettes en pratique. Alors ne sois pas effrayé, ne jette pas la pierre sur tout le monde. Garde toi-même, garde ton cœur. Amen. Je ne veux critiquer personne, je ne veux jeter la pierre contre qui que ce soit. Je veux simplement me mettre en garde et nous mettre en garde tous par rapport à ce que le Seigneur nous a annoncé en ce qui concerne le retour de Jésus et les séductions qui prendront place à ce retour, avant son retour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Prions le Seigneur et je vais répondre à quelques questions. Seigneur Jésus, je veux revenir à la prière que tu nous as apprise dans le Notre Père. Notre Père, toi qui es dans les cieux, Papa, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, Seigneur. Oh, accorde-nous ce dont nous avons besoin. Et le point sur lequel je voudrais insister, Père, par rapport à ce message, garde-nous du malin. Garde-nous du malin. Garde-nous de la sournoiserie du diable. Garde-nous du mal sournois que tu appelles malin, Poneros, qu'il envoie contre notre vie. Et cette séduction est forte en ces temps de la fin. Tout en prêchant ta parole, tout en annonçant l'évangile, tout en pensant servir Dieu, nous pouvons nous laisser séduire. Mais nous te prions afin que tu nous gardes dans ta grâce et dans ta miséricorde du malin. Donne-nous d'aimer, de t'aimer, d'aimer la vérité que tu es, de t'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, malgré la méchanceté, malgré le mal qui a progressé dans ce monde. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, on a vraiment beaucoup de questions. Je vais répondre premièrement à la question de Hélène Chapi Chamadou Boué. Bonjour Hélène, j'espère que tu es là, tu es connecté avec nous. Voilà, bonjour pasteur. Comment avoir une communication ou un échange intense et direct avec l'Esprit Saint? Comment avoir une communication avec l'Esprit Saint? La première des choses, c'est d'avoir le Saint-Esprit. La Bible dit, à ceux qu'il a reçus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu, sinon le Saint-Esprit, car quand tu crois, Dieu te donne le Saint-Esprit. Alors Hélène, si tu as donné ta vie à Jésus, si Jésus est dans ton cœur,
c'est que le Saint-Esprit est avec toi. Maintenant, le Saint-Esprit agit dans notre vie à différents degrés. Différents degrés de dimension. Et par rapport à ces degrés-là, on saura mieux être conduit par le Saint-Esprit. La première des choses, pour que le Saint-Esprit communique souvent avec nous, c'est de commencer à prier pour dire, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, remplis-moi. Le Saint-Esprit, le plus souvent, nous parle par notre esprit. OK? Mais si nous ne sommes pas pleins du Saint-Esprit, il y a une certaine confusion qui peut exister entre nos pensées et celles qui peuvent nous venir du Saint-Esprit. Alors, il faut prier pour être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit arrive à la conduire. Vous avez donc, je vais utiliser l'image du verre qui est avec moi. Amen. Alors, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Voilà, tu représentes, tu es ce verre-là. Et l'eau qui est dans cette bouteille représente le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit, remplis-moi. Voilà. Donc, quand tu es chrétien, tu reçois le Saint-Esprit, mais tu n'es pas forcément rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas forcément plein du Saint-Esprit. En lisant Actes des Apôtres, tu vas te rendre compte que par plusieurs reprises, il est dit, les disciples remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Le phénomène d'être rempli du Saint-Esprit ne se produit pas une fois dans la vie d'un croyant. Elle se produit à chaque niveau d'évolution. Le chrétien représentant un vase, plus il grandit en Jésus, plus il mûrit en Christ, plus le vase s'élargit. On va passer d'un petit vase à un grand vase. C'est votre contenance spirituelle. Et à chaque niveau de croissance, vous avez besoin que l'Esprit vous remplisse. Alors cet Esprit, remplis-moi. Alors, quand vous êtes bourré, rempli, plein du Saint-Esprit, une fois que vous êtes plein du Saint-Esprit, il vous conduit plus facilement. Quand vous êtes moins plein du Saint-Esprit, l'autre partie qui n'est pas encore comblée, ça va être votre voix interne, vos idées internes. Donc vous allez et entendre la voix du Saint-Esprit, et aussi vous entendre, et aussi entendre votre intelligence. La communion avec le Saint-Esprit est bonne, mais il peut y avoir beaucoup de confusion. Amen. Et lorsqu'on est plein du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus être séduit par notre propre intelligence. Parce qu'il se peut aussi qu'on ait grandi. Donc si on a grandi, le vase qu'on est est encore plus vaste. Et la plénitude qu'on avait pour 10 centilitres n'est plus la plénitude qu'on a si on est un chrétien qui passe à 50 centilitres. Alors comment communier constamment avec le Saint-Esprit? Je dois toujours chercher à être rempli du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, remplis-moi. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, je serai capable d'être conduit par le Saint-Esprit. Que représente le Saint-Esprit qui me remplit? Le Saint-Esprit est dans la parole de Christ. Il est dans la parole de Dieu. Donc, je suis rempli du Saint-Esprit davantage quand je médite la parole. Donc, pour être plus en communion avec le Saint-Esprit, il faut que je médite régulièrement la Bible. En méditant la parole de Dieu, je vais mieux m'accoutumer au langage de l'Esprit, à la parole de l'Esprit, à la façon dont le Saint-Esprit agit. Il y a encore un autre degré qu'on appelle le revêtement. Si je continue de remplir ce verre d'eau, l'eau va déborder et va couler sur les parois du verre. Là, c'est l'étape qu'on retrouve donc en Luc chapitre 4, verset 14, où il est dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Donc, on passe après par l'étape du revêtement. Donc, à chacune de ces étapes-là, un certain type de communion est possible avec le Saint-Esprit. Il faut savoir que même pour nous, même quelles que soient les années qu'on a passées avec le Seigneur, à tout moment, on a besoin de nous reconnecter avec le Saint-Esprit dans notre quotidien. Quelquefois, lorsque vous avez fini la journée, vous êtes tellement plein d'idées, de choses, donc vous rentrez, vous confessez, vous vous libérez et vous permettez au Saint-Esprit de vous remplir à nouveau et de pouvoir vous diriger. Bon, il y a encore d'autres détails, mais je vais m'arrêter là et te conseiller plusieurs séries d'enseignements que j'ai données à ce sujet. Marcher dans l'extraordinaire, je parle beaucoup de la marche avec le Saint-Esprit, de la communion avec le Saint-Esprit. Une chose aussi qui va beaucoup t'aider dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est prier en langue. Voilà. Prier par l'Esprit, la prière en langue, vraiment développe, prie en langue. Accoutume-toi au langage du Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu. N'est-ce pas forcément entendre des voix spirituelles. Lis simplement la Bible, l'Esprit de Dieu va commencer à t'enseigner, simplement même au travers des Saintes Écritures. Amen. Voilà. Un pasteur, Tokalo Armel. Shalom, pasteur, je voudrais que vous me donniez des secrets pour la croissance du ministère. Alors, cher homme de Dieu, si tu es en Côte d'Ivoire, je voudrais vraiment t'inviter à rejoindre ce que j'appelle la plateforme des serviteurs de Dieu. Donc, il y a certains hommes et femmes de Dieu qui m'ont approché
pour que je fasse une forme de mentoring ou de père spirituel pour eux, pour les aider dans leur ministère. Et nous avons créé une plateforme au travers desquelles je partage avec eux des clés, des secrets de la croissance de l'œuvre, pour la croissance de l'œuvre. S'il y a une chose que je peux te dire, pasteur homme de Dieu, la première des choses, marche dans la communion avec le Saint-Esprit, marche dans la droiture du Saint-Esprit, vis dans la crainte de Dieu, détourne-toi du mal, détourne-toi du péché, attache-toi réellement à Christ. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je vais te parler de l'organisation divine et la sagesse de Dieu. Demande à Dieu la sagesse et demande à Dieu l'organisation qu'il va mettre en place. Toute croissance est fonction de la forme d'organisation qu'on met en place. Quelle que soit l'inspiration que tu as, s'il n'y a pas l'ordre suffisant, l'Église aura des difficultés à croître. Et pour les détails de l'organisation, tout ça, franchement, je t'invite. Donc, à t'inscrire, tu pourras appeler à nos bureaux 22 41 29 80, 22 41 29 80. Tu vas tomber sur mon assistante et tu pourras dire, je suis un homme de Dieu, j'aimerais participer à la plateforme du pasteur Sanogo. Et on va t'inscrire, on va t'envoyer très rapidement donc, un courrier d'invitation où tu pourras nous rejoindre dans notre prochaine rencontre. Elle est prévue pour le mois de décembre, je donnerai plus de détails dans les prochaines. On a des hommes de Dieu qui viendront de partout, de toute la Côte d'Ivoire, et même d'autres nations pour participer à cette plateforme. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Je répondrai à Edith Kamga me demande, parce que ma préoccupation concerne le choix du conjoint pour le mariage selon la parole de Dieu. Je reviendrai sur ces points-là en ce qui concerne le mariage, mais j'aimerais vraiment te conseiller d'écouter la série que j'ai donnée sur j'ai besoin d'une directive nouvelle pour rencontrer mon conjoint. Voilà. Basé sur le livre de la Genèse. Et puis Jean chapitre 2, j'explique beaucoup de choses. Et vraiment des clés précieuses et puissantes. Comment reconnaître, comment discerner. Donc j'ai besoin d'une directive nouvelle pour rencontrer mon conjoint. Cela va t'aider. Il y a aussi la série sur les stages. Voilà. Que j'appelle un peu l'école du mariage. Voilà, l'école du mariage. Ce sont des séries qui sont disponibles en audio comme en vidéo, qui pourront t'aider et voilà, il sera difficile de pouvoir ici en direct répondre à tous les détails de cette série. Voilà, tu peux trouver aussi beaucoup sur YouTube des enseignements qui sont très riches et qui t'aideront. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Voilà, et que ça soit avec chacun d'entre vous. Voilà. Et la dernière question, soyez bénis pasteur et merci pour vos enseignements. Pourquoi les églises ne parviennent jamais à s'unir pour faire avancer l'évangile? Pourquoi les églises ne parviennent jamais à s'unir? Bon, ce n'est pas... Alou, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce dont tu es en train de parler. Là, nous sommes en train d'aller dans notre, ce qu'on appelle la vague, la 9e vague du tour 931. Nous allons être à Daoukro, Bongouanou et Dembokro, en Côte d'Ivoire. Daoukro, on a une campagne. La campagne va, ce sera les 26, 27 et 28 octobre. Bongouanou, les 2, 3, 4 novembre. Dembokro, le 9, 10 et 11 heures. Novembre. Donc nous serons dans ces trois villes-là pour partager, pour évangéliser. Et pour répondre à ta question, c'est que dans toutes les villes que nous avons visitées, les églises se sont unies, se sont associées et ensemble nous avons mené des campagnes d'évangélisation. Donc les églises peuvent s'unir et les églises s'unissent. Si la vision est conforme à la parole de Dieu, si vous savez leur présenter, voilà. Il faut savoir que chaque église a ses programmes, à ses actions. Donc il ne s'agit pas de quelqu'un de venir pour lui donner une évangélisation. Voilà, l'unité ne signifie pas l'unicité ou l'unique. Nous sommes un corps et chaque partie du corps, chaque membre de l'église a une mission, a quelque chose à faire. Voilà. S'il y a des églises, pendant qu'on est en campagne, qui parce qu'elles ont leur propre programme, ne peuvent pas se mettre à nous, je ne vais pas voir cela comme étant un manque d'amour ou comme étant un problème. Voilà. Toutes les croisades qui se font à Abidjan, quand Vazonet peut participer, il participe. Quand on ne peut pas, on ne peut pas parce qu'on a nous-mêmes nos activités. Mais cela ne veut pas pour autant dire que nous sommes désunis, qu'il n'y a pas forcément l'unité. Et vous allez voir les grandes croisades comme Renard Bonke lorsqu'il est arrivé ici. Le corps de Christ s'est mis ensemble et a organisé ce programme. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de difficultés et qu'il n'y a pas de problème au sein du corps de Christ. Il y en a, mais il ne faut pas aussi faire comme si le chaque fois on dit on est ensemble, on va se tuer, on va se battre, non. Il faut voilà, hein, c'est pas... Si vous êtes sur le terrain de l'évangélisation, vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu sont ouverts. Voilà. Il y en a qui vont dire non, mais beaucoup d'hommes de Dieu sont ouverts. Personnellement, ici en Côte d'Ivoire, nous travaillons en collaboration avec toutes les églises, l'Assemblée de Dieu, les églises baptistes ouvrées mission, les églises réveil. La plupart des présidents de ces églises nous ont donné la main d'association, elles participent avec nous, et ils essaient d'apporter leur soutien autant qu'elles peuvent. Que Dieu les bénisse, et je suis reconnaissant à Dieu pour de telles choses. Amen. Alors que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous le mardi prochain.
Voilà, on va continuer ce message. On va parler des grandes séductions des temps de la fin. Si vous avez encore des questions, envoyez-les nous. On essaiera de faire le tri et de répondre à quelques-unes. Je n'ai pas garanti de répondre à toutes. Hein. Je vais vous montrer tout ça. Ce sont des questions. Tout ça sont des questions. Voilà, j'ai trois feuilles de questions. Il y en a qui sont profondes, comme par exemple de réexpliquer le message sur le mariage. Ah là, ça sera compliqué. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et voilà, nous allons terminer en louange. Dieu est bon pour nous. Élevons nos voix, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il a tellement fait pour nous, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Célébrons ton Saint-Nom, ô mon Dieu, tu es bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Élevons nos voix, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Je veux magnifier ton Saint-Nom, oh mon Dieu, tu es bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Je veux célébrer ton Saint-Nom, mon Dieu, tu es bon, l'Éternel est bon, mais mon Dieu, tu es bon. Je veux magnifier ton Saint-Nom, mon roi est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Dieu vous bénisse et puis rendez-vous mardi prochain. On nous voit, l'Éternel est bon, l'Éternel. À l'image de Jésus. C'est impressionnant, it's massive. J'ai dit juste, waouh, quelle obéissance, quelle consécration. Je voudrais dire merci vraiment au peuple de Dieu, parce que c'est à vous que nous devons de pouvoir faire toutes ces choses-là. Lorsque vous considérez que le fardeau de Dieu devient vos fardeaux, il est certain que vos fardeaux également seront portés par Dieu et qu'il vous visitera. L'action de compassion consiste à récolter des dons depuis Abidjan et autres villes. Maintenant, quand on arrive sur le terrain, on procède à la distribution des dons, comme vous pouvez le constater. Je dis souvent, ne laissez pas une histoire comme ça se faire sans vous. Vous ne pouvez pas juste entendre parler de ça et puis ne pas réagir. On a besoin de cœurs sensibles, des gens qui aiment les enfants pour offrir les bibles, les biscuits, tous les gadgets qu'on prend pour attirer les enfants. Ce n'est pas simplement le fait de donner des bonbons, mais des cœurs sont touchés. Plusieurs enfants se sont repentis de la sorcellerie. Donc je prie que vous fassiez partie de cette superbe aventure et que vous aussi vous contribuez au tour 931. Alors si j'ai un mot à dire là-dessus, allez chercher vos amis. Allez chercher chez vos amis de quoi aider le peuple, de quoi aller évangéliser.